Tout d'abord, nous commençons par la fiche d'audience du chef de l'État. Le président de la République a reçu cet après-midi le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Shambaz, et venu échanger avec le chef de l'État sur la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest, notamment les menaces de terrorisme du groupe Boko Haram. La question des élections dans la sous-région a été aussi abordée. L'expertise sénégalaise aussi sollicitée pour l'approfondissement de la démocratie. Voici Mohamed Ibn Shambaz à sa sortie d'audience. J'ai pris avantage de cette opportunité d'échanger avec le président sur la situation dans l'Afrique de l'Ouest en tant que représentant spécial, secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Également, on a parlé de les situations concernant les menaces de terrorisme dans la région, au nord de Mali, mais également aussi au Nigeria. Concernant les situations de Boko Haram, on a discuté les efforts en cours de déployer un force mixte pour lutter contre le Boko Haram. Et les efforts menés par l'Union africaine en travaillant avec le pays de le bassin de Lake Tchad pour faire tous pour, n'est-ce pas, vraiment augmenter les efforts contre le Boko Haram et cette lutte contre Boko Haram ne concerne pas que le pays concerné, mais vraiment c'est une affaire qui concerne tous. Parce que le Boko Haram a démontré les réseaux vastes avec le groupe terroriste international, donc il faut une rigoureuse approche contre le Boko Haram. On a aussi échangé sur les élections qui se tiendront cette année en Afrique de l'Ouest, en commençant par le Nigeria eux-mêmes, et puis il y a 3-4 pays aussi avec des élections qui seraient très importantes pour la paix, stabilité, l'approfondissement de la démocratie. Le Sénégal est un pays avec un record très très fier concernant le maintien de la paix. Non seulement dans la région ouest africaine, mais vraiment partout. Concernant les élections, aussi, Sénégal a beaucoup à partager avec des pays ouest africains parce que le Sénégal demeure le plus stable démocratie dans la région.